Salut Jojo. Salut Anouk. J'allume la caméra juste au moment où tu as mis ton doigt dans ta bouche. Explique-moi un petit peu où on est. On est dans une maison à l'envers qui se trouve à Solnichny Ostrov à Krasnodar. Et c'est vraiment tout à l'envers. Il y a quelques pièces, il y a la cuisine, une chambre, le salon, la salle à manger. Et les escaliers également sont à l'envers. Où est-ce que tu as trouvé cette idée? C'est sur Instagram, il y avait une fille qui avait posté une photo où elle était à l'envers et ça m'a intrigué. Alors je l'ai contactée, je lui ai posé la question et elle m'a envoyé directement ici en m'expliquant bien où ça se trouvait. Et donc j'ai amené Anouka. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu as voulu exactement faire? Quel plan tu voulais faire? Quelle idée est-ce que tu avais dans ta tête? J'ai toujours voulu être Spider-Man, donc vu comme c'est tout à l'envers, il suffit de faire une photo normale. Et après, il suffit de mettre la photo à l'envers pour recevoir un effet vraiment parfait. Et donc, on a fait une séance photo avec Anouka. Et je pense qu'il va y avoir de très bons résultats. Да же не знаю, откуда пришла такая идея, но я знаю, что это очень популярно в Питере и в Москве тоже. И тоже в Краснодаре можно вот найти такой дом. Voilà. Elle est pas droite. À l'extérieur, oui, comme à l'intérieur. L'entrée, c'est combien? C'est 300 roubles. 300 roubles. C'est beaucoup? Pour faire une visite à ce type de maison. Je trouve que c'est quand même beaucoup, hein. 300 roubles, c'est le prix d'une place de cinéma, en 3D d'ailleurs. Ça vaut le coup, non? Mais ça vaut le coup. Je viens de remarquer le mot casa, oui. Qui est à l'envers aussi. Maintenant, on se trouve dans le salon avec la télé. On peut voir les dessins animés là. Après, on passe à l'entrée. C'est l'entrée. Ouais, l'entrée principale. Je trouve vraiment difficile à marcher parce que j'ai failli tomber plusieurs fois. C'est un skateboard. Russia. Ouais. La Russie. Donc avec je m'approche un petit peu. Ici il y a un canapé. Donc là ça serait ouais, aussi la prolongation du salon. Il faut faire attention pour ne pas tomber parce que le sol est... Il n'est pas droit du tout. Oui. Il est en pente. Ouais. Oui. Et voilà, on a la cuisine avec le micro-ondes. Le micro-ondes, oui. Une table et avec des chaises et tout est à l'envers. Et si on regarde par la fenêtre, on voit notre rivière qui s'appelle comment, Jojo? Kuban. Kuban, ouais. La rivière et les gens qui marchent sur le pont. Ouais. Pour arriver au parc, il faut traverser le pont. Ouais. Et voilà le frigo. Encore le frigo. Je ne peux pas ouvrir, on ne peut pas même toucher aux objets ici parce que c'est complètement interdit. Mais on a beaucoup aimé faire cette session ici parce que l'endroit est vraiment magique et original. Mon caleçon, là? Oui, c'est mon caleçon, là. Qu'est-ce que tu as vu là? La constitution de la Fédération de Russie. Et en russe, ça serait... Конституция Российской Федерации. Это очень важная книга, потому что недавно мусора меня остановили. Спокойно машину меня остановили, поэтому вот в следующий раз я им покажу вот такую книгу. Thank you.
почувствовал себя Спайдерменом? Конечно, Человек-паук. Ты исполнил свою мечту. Да, я давно мечтал об этом вообще. Очень давно. С детства. Спасибо тебе большое, потому что мне очень понравилось. А, спасибо тебе. Перевернулся с ног на голову, творит неизвестно что. Люди ходят вверх ногами и творят тоже неизвестно что. Когда же это все кончится? Вот философия этого домика. Как интересно.